Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc le suivi d'élevage des phasmes, donc du mois d'avril. Donc je vous l'ai fait que maintenant bah, parce que j'ai des nouveautés, donc j'ai eu des naissances là. Donc je vais commencer, donc pour ceux qui suivent mes vidéos, j'avais parlé que j'avais acheté des Hétéroptérix dilatata, donc dans ce terrain là, et une Phyllium giganteum, mais bon malheureusement elle est morte, donc j'ai un peu les boules, donc j'essaierai d'en racheter une. Donc voilà. Après les Hétéroptérix dilatata, pardon. Donc j'ai un mâle normalement ici. Après j'ai une femelle qui est bien cachée dedans. Donc là-bas vous la voyez un peu. Donc elle est subadulte si je me trompe pas. Donc voilà. Donc là j'ai 70% d'hygrométrie, donc je pense que ça doit être pas mal. Après, les Medoroidea extradentata, bah, ils sont tous morts. À part un seul petit qui est ici. C'est un L5 peut-être. Non, L3. L3, L4, je sais pas. Environ L3, L4. Après, ici je viens de voir que j'ai une naissance. Je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, vous le voyez un peu bouger. Donc voilà, je vais vous montrer les autres naissances que j'ai. Donc voilà, ce matin j'ai vu que j'avais deux naissances de Medoroidea. Donc je les ai laissées dans la boîte d'un cube. Donc comme vous pouvez le voir, il y a les œufs et tout. Donc pour cette vidéo. Donc je vais les mettre dans leur terra, donc tout de suite. Donc là aussi vous pouvez voir que j'ai des naissances là-dedans de Romulus Artemis. Donc j'en ai peut-être 4-5. J'ai déjà une ou deux naissances de Medoroidea là-dedans. Bah ici il y en a une. Ça c'est un Medoroidea. Donc voilà. Après sinon j'ai beaucoup de Romulus Artemis là-dedans. Donc voilà, je vais mettre les naissances d'aujourd'hui dedans. Donc voilà, je les ai mis dedans, donc comme vous pouvez le voir, il y en a un là. Et l'autre, on voit à peine ses pattes qui dépassent ici. Donc voilà. Après, comme disponibilité, ben il me reste quelques œufs de Medoroidea. Donc ceux-là. Donc les plus petits. Et des Ramus Artemis aussi, il m'en reste encore. Donc voilà, si ça vous intéresse, marquez dans les commentaires. Donc voilà. Après, ben je vends qu'en œufs. Après en vivant ben, je peux donner comme un propre. Donc voilà. Surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça me fait vraiment très plaisir en sachant qu'on est déjà 49. Il y a 49 abonnés sur la chaîne maintenant. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu. Bon allez, ciao tout le monde.